Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2023. Donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance. Alors ça va être une année 2023, pas que le mois de mars, mais très intéressante pour vous puisque on va avoir le nœud sud qui sera dans votre signe et on va travailler tout ce qui est karmiquement hein, avec le nœud sud, les relations, les partenariats et les relations longue durée, plus ou moins de compréhension sur certains mécanismes. Donc ça va être une année fort intéressante pour vous. Si vous avez votre nœud sud en balance et votre nœud nord en bélier, ça va être aussi intéressant puisque le nœud nord va occuper le signe du bélier à partir de, je sais plus, je crois que c'est en juillet par là. Je vous redirai ça en temps voulu, mais en tout cas, au mois de mars, on a comme un prémisse. Alors, c'est le début de l'année zodiacale. Le 21, on a la nouvelle lune qui va ouvrir donc l'année zodiacale dans le signe du bélier. C'est le premier signe des 12 signes astrologiques. C'est votre opposé zodiacal. Et la planète du signe des béliers, c'est la planète Mars, qui en ce moment est dans le signe des Gémeaux et qui part le 25 après 7 mois d'occupation. Donc, quelque part, vous allez être impacté parce que il va y avoir des choses qui vont soudainement bouger après des mois de, on va dire, de confusion. D'ailleurs, alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai pensé à ça. On a la confusion, on a l'agitateur, on a la planification et l'action. Il y a des choses qui vont bouger. D'ailleurs, on vous dit accueillir le mouvement, donc forcément. Alors, on a eu la nouvelle lune dans le signe des poissons. Je reviens pas dessus, j'en ai fait toute une vidéo. Le 7 mars, on a la pleine lune dans le signe de la Vierge. Alors, on vous parle de prendre des actions inspirées, de passer à l'action, et de passer à l'action sans forcément s'attendre à un résultat. Alors, une action inspirée, c'est en général, quand on a une soudaine envie de quelque chose, on se dit, bah tiens, j'ai pas envie d'aller dans cette boulangerie, je vais plutôt aller dans l'autre. Et finalement, en allant à l'autre boulangerie, bah, il vous arrive quelque chose, une rencontre, vous entendez une conversation qui finalement vous confirme que vous vous rapprochez d'un objectif et que c'est en fait une action utile parce que vous n'y voyez pas. Alors l'inspiration, hein, c'est un peu de spontanéité, de soudaineté, voilà, mais vous avez après coup la merveilleuse surprise de découvrir que finalement c'était peut-être guidé. Voilà aussi l'action inspirée. On n'écoute pas son mental, on écoute son cœur, et en général c'est guidé. Alors guidé par le subconscient, par l'univers, par ce que vous voulez, mais en tout cas ça va s'avérer payant. Alors, on a exposé et révélé. Pour moi, il y a des choses qui vont justement bouger. On a la planification et l'action. Donc, on va voir comment ça se décline tout ça. Et surtout, on vous parle d'agitation, d'accueillir le mouvement, donc d'adaptabilité. Et forcément, même s'il y a un nouveau départ et que ça peut être confus, alors c'est confus pour tout le monde, hein, on a aussi des planètes qui bougent, notamment Saturne qui arrive dans le signe des poissons. Et voilà, qui quitte le signe du Verseau et qui va justement un petit peu flouter plein de choses. On va sentir un relâchement avec Saturne qui passe en poisson, Mars qui quitte le signe des Gémeaux, donc qui va s'assouplir un petit peu avec le signe du Cancer. Après, émotionnellement, à travailler des choses. Donc, on vous parle d'agitation, d'accueillir le mouvement. D'abord, on vous dit avec cette carte, la première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. Et pour l'affirmation, je relâche mon contrôle sur les gens, sur les situations et les choses, afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. Alors souvent, là où je suis pas trop d'accord, en tout cas pour vous, c'est pas ce que je ressens ce mois-ci. Et quand il y a du contrôle, hein, quand on veut contrôler un peu comment ça se passe, comment les gens vont réagir, voilà, c'est qu'en général, on cherche une validation. Là où je suis pas, enfin, je vais nuancer un peu le message de la carte, c'est que chez vous, là, ce mois-ci, avec les cartes avoisinantes, déjà, c'est plutôt
je me suis raconté une histoire. Je voulais que ça se passe comme ça, je voulais bien faire, et je dois m'ad... Ah, sympathique. Alors, il y a un lézard, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un lézard, en tout cas, à côté, voilà, qui est juste derrière. Juste derrière le rideau, voilà, il est derrière la déco. Le lézard, justement, allait voir le message par rapport à ça, parce que c'est un animal qui est capable, justement, de s'adapter. Donc, il y a peut-être un message. C'est rare que je le vois, parce que je le vois tout le temps, il habite avec nous, et c'est rare que je le vois comme ça, en pleine journée, juste à côté de là où je travaille. Enfin bon. Alors, donc je disais, oui, dans ce cas, c'est plutôt ce que je ressens pour vous ce mois-ci, c'est de lâcher une histoire, c'est-à-dire, voilà, je dois, enfin, c'est pas m'adapter, mais plutôt me dire que ça va se passer différemment. Voilà pourquoi je ressens cette petite correction. Alors, la croix cosmique, on vous parle de communication, de choses qui vont devoir être réalisés, alors de s'accrocher pour que ça puisse se réaliser de manière concrète. Peut-être qu'on a abandonné quelque chose en se disant « c'est pas pour moi ». C'est aussi une histoire qu'on se raconte. Et de quelque chose aussi qui vaut la peine. Alors peut-être faire un tour d'horizon, d'agiter un petit peu... voilà, c'est comme une vie bien rangée, c'est comme, vous savez, une surface d'eau, et puis quand on agite le sol, hein, il y a des sédiments, il y a du sable, etc., il y a du corail, ça dépend où vous allez, mais voilà, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui ont été tassées, qui ont été oubliées, qui sont maintenant en train de dormir dans le fond. Et puis, quand vous agitez un petit peu, vous allez vous dire, bah tiens, il y avait ça, c'est vrai que j'ai mis de côté, ça, j'ai renoncé parce qu'à l'époque, je croyais que machin, ceci. Et en fait, vous allez reprendre aussi des projets. Pour moi, avec la carte de l'énergie, planification et action, c'est aussi, voilà, j'en ai les capacités. Et je vais faire preuve de diligence avec cette carte. De toute façon, on est tellement soumis, on va dire, à des perturbations, qu'en fait, on va se dire, ben, c'est pas plus mal, parce que ça permet de faire le tri entre ce qui est essentiel. On peut se sentir poussé dans de nombreuses directions. Néanmoins, ici, on vous dit, voilà, il y a de véritables efforts pour tenir jusqu'au bout. Alors, planification et action, pour moi, il y a de l'as de bâton et du roi de bâton. Si ça tombe avec le tarot, ben, on est pile dedans. En tout cas, avec cette carte, on a le 9 de bâton qui nous parle un petit peu de se tenir prêt, d'être sur ses gardes, mais aussi d'être très proche de l'arrivée. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. On vous parle de frustration avec cette carte. Donc, c'est comme notre président de la République qui dit à l'horizon 2023, on sait très bien que l'horizon, plus on avance, plus ça recule. Là, c'est un peu ce genre de frustration qu'on ressent. C'est-à-dire, ben, je sais que je suis prêt, et que, je suis proche de cette ligne d'arrivée, mais quand est-ce que ça se termine? Donc, finalement, on alimente des vibrations de frustration. Et on voit cette ligne qui continue à reculer. Là, on vous dit stop, pouce, pause, ok. On est dans un travail de focalisation sur l'objectif, donc peut-être de changer la méthode. Hein. Avec le bâton, on parle de méthode, on parle de motivation, d'énergie. Donc peut-être de faire autrement pour pouvoir regagner en motivation, en confiance en soi, bien sûr, et d'arriver jusqu'au bout. On parle de retourner le problème dans sa tête, de ne pas être prêt à bouger ou agir, peut-être de procrastination, donc d'être centré sur les choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, d'où la frustration, confusion et aussi rencontrer de la résistance, une période de guérison, une période de raisonnement. Se sentir blessé, se sentir incompris, avoir un regard réaliste sur l'avenir, agir de manière mécanique et aussi attention à ne pas réagir impulsivement. Alors les signes d'air, on est tiraillé parce que on a Saturne qui quitte le signe des Verseaux, Mars qui quitte le signe des Gémeaux. Donc forcément, au niveau mental, au niveau de la cabeça, ça bouge, ça pulse, ça chauffe. Alors on va regarder tout de suite, sans plus attendre, ce que nous dit le tarot de Marseille. D'abord au niveau professionnel, ensuite sentimental, ensuite développement perso et ensuite spirituel. Attention, attention, que je me les retourne pas, ce serait vraiment bête. Alors, professionnel pour les signes natifs balance, plein d'opportunités. Ah, il y a des choses qui... Ok, des opportunités, c'est confirmé par l'As de Denier. Alors, on vous parle de...
Je ne vais pas dire qu'il y a de la chance, mais je vais parler plutôt de concrétisation. Alors, c'est une forme de chance, parce que quand ça se concrétise, bah, mon Dieu, qu'on est content. Alors, j'ai fait une grosse bêtise. Voilà, il ne faudra pas le dire. On a plein d'opportunités, des choses qui sont en train de se concrétiser. Maintenant, c'est vraiment pour passer de l'imaginaire au concret. Il y a quelque chose qui est dit là avec le 2 de bâton, accrochez-vous, mettez-vous en action. Alors, le 7 de coupe, pardon, j'en perds mes mots, le 7 de coupe nous dit que, en fait, c'est en se servant de son imagination, en fermant les yeux, qu'on va visualiser ses options, voilà, en choisissant. Parce que c'est un peu Noël, en fait. Hein, c'est une pluie d'opportunités. Maintenant, pour saisir la bonne, parce qu'on sait que on met pas tous ses œufs dans le même panier, que quand il y a des échantillons comme ça ou plein de propositions, tout n'est pas... on pourrait louper la bonne, en fait. Donc, c'est un peu paralysant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que je ressens, c'est... Voilà, des fois, l'embarras du choix égale embarras. Vous voyez? Donc, c'est plutôt... Ok, je ferme les yeux. Je vais écouter ce que je ressens par rapport à ces opportunités. Quand je pense, par exemple, à une offre, est-ce que ça... Je me vois là-dedans? Est-ce que je me sens bien là-dedans? Et finalement... Je fais appel à mon intuition. C'est une carte de coupe, donc on parle d'intuition, on parle de message du cœur. Et c'est un peu comme, vous savez, à Noël, il y a plein de cadeaux. On vous dit, voilà, tu ne peux qu'en choisir un. Et bien là, vous faites appel à votre intuition. Alors, ça peut être aussi des biais cognitifs. Hein, par exemple, le plus gros, ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros. Alors, ça se trouve, il y a une toute petite boîte. Néanmoins, c'est un choix du cœur. Là, il n'y a pas de mental. On parle plus de ressentir... confirmation du ressenti avec quelque chose de concret et passage à l'action. Avec tempérance, on parle de bonnes nouvelles. Alors, ce qui frétille devant la fenêtre, c'est le coq. Vous allez peut-être l'entendre. Voilà, peut-être qu'il va nous délivrer un message. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Alors, hop, je ramasse tout ça, décidément. Alors, il fait très chaud et mes mains glissent un petit peu. Alors, oh, joli, très joli. 5 de coupe renversée, très bien. On a la motivation qui revient. Il y a l'entrain, l'énergie, l'enthousiasme. Une nouvelle rencontre aussi qui peut arriver avec du partage, de la simplicité, quelque chose de réciproque aussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est-à-dire, je donne de la motivation, l'autre personne se montre aussi investie et motivée. Voilà, là, ça va dans les deux sens. Alors, le 5 de coupe, pourquoi c'est joli? Parce qu'il est retourné. Ça veut dire que là, vous vous remettez d'une période de chagrin, une période un peu morne. Alors, pour certains, il n'y a pas eu de rupture hein, récente ou passée depuis un moment, mais ça a pu être une période de creux, vous voyez. Pour d'autres, je pense que ça a été une grosse rupture, quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'où la confusion, la planification. En fait, c'est comme si vous vous disiez, bah voilà, en fait, je me suis accrochée à l'histoire que je me suis racontée, alors que finalement, bah, la personne, je me souviens à peine de à quoi elle ressemble, ça se trouve, hein, des fois c'est ça. Mais du coup, je pense que c'est plutôt aussi un sentiment. Donc pour les personnes qui sont en couple, c'est plutôt voilà, quelque chose qui se réénergise, des petits projets pour soi. Et puis en fait, en faisant ça, vous allez vous rendre compte que bah, vous pourriez attirer de la réciprocité. C'est-à-dire que la personne, en vous occupant de vous, elle va se rendre compte que bah, finalement, en termes d'énergie, ça peut circuler, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a envie de participer, de faire des activités avec vous. Mais là, c'est un petit peu, je ne vais pas dire auto-centré, mais le valet de bâton, c'est vraiment pour soi. Enfin, en tout cas, là, c'est ce que je ressens au niveau de cette carte, c'est-à-dire je me planifie des petites choses, vous voyez, hein, des petites planifications et actions. Et puis, bah, en fait, je réénergise, je réalimente par moi-même. Ce qui fait que l'autre personne en face se ressent. De toute façon, que vous soyez en couple ou pas, ça se ressent, voilà, énergétiquement. Alors, au niveau développement perso, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va compléter, hein, bien sûr. Alors, développement perso pour les balances, 8 de bâton,
9 de bâton. Oui, ça va arriver vite, hein, tellement vite que c'est marrant, on n'a pas d'épée. Bon, là, on a eu de l'épée, mais c'est plutôt dans le contexte. C'est-à-dire que vous avez dû observer après le départ d'une personne qui vous a un peu mis sur vos gardes, mais en même temps, ça vous a permis de comprendre certaines choses, notamment au niveau de la gestion émotionnelle, de votre intuition. 8 de bâton, quelque chose qui arrive très vite. Et c'est un peu comme si on vous disait, vous êtes prêt, à vos marques, prêt, partez. Hein. Là, c'est voilà, fuego, ça part tout de suite. Il n'y a pas à réfléchir, il y a juste à agir. Et en même temps, c'est voilà, ça fait partie des actions inspirées, c'est-à-dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller à cet endroit-là, j'y suis jamais allé, on m'en a parlé, et puis bah, c'est là que ça peut se passer, en fait. Hein. Donc tout peut se passer tout le temps. Et ça, je pense aussi qu'après une période où il ne se passait rien, finalement, là, il se passe plein de choses, donc ça peut être aussi l'effet inverse. Hein. On a vu le 9 de bâton qui est un peu sur ses gardes, hein. C'est-à-dire, ouais, mais là, c'est trop agité, je préfère. Il y a une petite peur des mauvaises surprises quand même, hein, de manière sous-jacente, donc ça se travaille. Alors, moi, je le travaille beaucoup en coaching d'ailleurs, et dans la période qu'on vit, d'autant plus. Voilà. Alors, on a le valet de coupe, donc ouais, moi, je pense qu'il y a des arrivées. Il y a de l'air frais, des relations qui sont plus... avec la justice, on a plus d'équilibre. Voilà, on prend plus son temps. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mental. On prend plus son temps. On a bien bossé la patience, là, hein, les balances avec le valet le cavalier de denier et le 8 de denier. Il y a vraiment ce travail sur la patience, sur la rigueur, sur la stabilité. J'ai compris que j'ai pris une décision envers moi-même de devenir plus stable, de travailler de manière diligente. Hein. Là, on ne s'est pas laissé de répit. Et quand je bouge, c'est pour quelque chose de sérieux, de stable, parce que j'ai longtemps observé, d'où la papesse. Avec la lune, on parle d'observation aussi de ses émotions. On a avec le denier un travail qui a été fait sur les ressentis corporels. Hein. Voilà, le travail du corps, peut-être même un travail sur la santé, le physique, reprendre du sport, manger mieux, etc., etc. Mais c'est aussi une réénergisation. Je sais pas pourquoi je pense à Koh-Lanta. Ah oui, réunification, mais non, rien à voir. Oui, avec plus d'entrain, plus de joie, plus de motivation. Et là, plus d'équilibre. Donc, on prend des décisions. Avec la justice, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un équilibre entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire que les deux, en fait, le cerveau n'a plus rien à dire, puisque c'est le cœur qui décide, et le cerveau qui dit, OK, on va trouver un moyen de le faire. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose que j'expliquais dans l'outil complétude. Alors, on va compléter. Complétude, compléter. Alors, il y a une carte qui est sortie. Qui est tombé quand j'ai ramassé le deuxième Rider-Waite, perfectionnisme, insensibilité, masque de la rigidité. C'est en général, voilà, ça devrait pas se passer comme ça aurait dû se passer comme ça. Donc on est dans une forme de comparaison et donc on maintient sans le savoir une frustration et ça maintient vers le bas. Alors là, on a. Oui, il y a envie de bouger parce que là, l'ambiance est délétère. Là, si vous êtes au boulot, le 7 d'épée, ça peut être vraiment voilà, des coups fourrés, des coups bas, ouais, je sens des personnes qui veulent se tirer la couverture elles-mêmes et vous qui essayez de bien faire. Voilà. Donc, dans la méthode, on a nos amis Balance, là, vous qui essayez d'arranger, de fixer les trucs avec le 10 de bâton. On vous dit de changer la méthode, c'est-à-dire maintenant, vous vous éloignez des personnes qui sont toujours, je dirais, exploiter votre. Je vais pas dire que la bienveillance, mais aussi votre côté. Allez, je ménage la chèvre et le chou, je me mets au milieu et finalement, c'est vous qui prenez de chaque côté, quoi. Oui, mais t'avais dit que nanana, et de l'autre côté, ouais, bah tu m'avais promis que. Bah non, en fait, j'ai juste essayé de vous rabibocher et je me suis retrouvée au milieu. Alors, sans cliché sur la balance, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Avec, ok, là où je suis, je galère, l'ambiance devient délétère, j'ai envie de bouger, mais les opportunités, alors oui, ça peut, avec le valet d'épée, là, on peut avoir l'idée de suivre une formation. Ah oui, bon, bah, ça se précise. D'accord, une formation avec quelque chose pour lequel on est doué. Un métier pour lequel on est doué ou oui, un talent, c'est vraiment le savoir-faire, hein, le 3 de denier. Donc là, on parle d'école, on parle de retourner dans les bouquins, d'une formation, ça peut être une formation en ligne aussi, hein, ça peut être du e-learning, mais là, on est vraiment dans une possibilité de
de s'orienter vers quelque chose qui va exploiter le savoir-faire, quelque chose qui est inné. Sauf qu'il y a des peurs, il y a des petites peurs, on a l'impératrice, parce que oui, c'est quelque chose d'assez grand finalement, et puis c'est une création, vous partez de zéro. Donc forcément, là, il y a peut-être aussi, alors j'ai parlé d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi, j'attends des messages, des confirmations de l'univers, attention, parce que les heures-miroirs vont juste vous indiquer que vous avez besoin d'être rassuré. Donc là, l'idée, c'est de bouger, de se dire, ok, c'est juste, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors oui, il y a la peur de se précipiter, de regretter, de mettre la charrue avant les bœufs. Mais on vous dit quand même qu'il y a une bonne nouvelle. Alors, ça ne veut pas tomber. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais prendre celui-ci, on va voir si ça veut parler, mais peut-être que les messages sont passés, hein. Alors là, on a la justice, ok, donc justice, justice. Alors ça s'appelle pas du tout pareil, hein, dans le jeu que j'utilise. Ensuite, oui, on a un équilibre et une décision. Alors, roi de coupe renversée. Là, on vous parle. Ouais, il y a eu peut-être dans la manière de faire, on vous dit ce qui en fait vous écorche sentimentalement, c'est peut-être une précipitation et de s'accrocher tout de suite à une histoire. C'est-à-dire, oui, ça peut se passer comme ça, puis ça peut se passer comme ça, puis ensuite on se dit, mais pourquoi ça se passe pas comme ça? Ça devrait se passer comme ça. Et là, on souffre. En fait, des fois, on se crée des chagrins d'amour parce que finalement, on s'empêche de vivre l'instant présent en se racontant une histoire hypothétique. Et du coup, on s'en mêle les pinceaux. Alors, 10 de bâton, 7 d'épée. Oui, je pense que les relations, alors certaines relations, en tout cas, vous vous remettez d'une relation qui a été plus ou moins laborieuse, où la personne peut-être vous a... Alors, vous a fait travailler l'autonomie. L'autonomie et le lâcher-prise. Hein. Là, on a l'instant présent, là, on a la maturité. Derrière, c'est aussi l'autonomie, c'est s'apporter à soi-même du bonheur, sans attendre que ça vienne des autres, parce que ça reviendrait à demander aux autres de manger à notre place pour plus qu'on ait faim. Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, je pense qu'en fait, alors, il y a un soin, clairement, à faire, là, avec le roi de coupe renversé. Je pense aussi qu'il y a une peur, pour certaines d'entre vous, de tomber, enfin pour certaines d'entre vous, de tomber sur quelqu'un qui ne vous comprend pas. Voyez, j'ai vraiment ce mot confusion, incompris en fait. Voilà, bon, ça parlera à certaines d'entre vous, mais j'ai vraiment ce côté, j'ai peur d'une mauvaise surprise, de m'attacher à quelqu'un et de découvrir que finalement, elle ne me comprend pas. Alors, on a le 8 de bâton avec l'as d'épée. Il y a des compréhensions rapides et de nouvelles idées. On a un éveil, hein, et là, regardez, exposé, révélé. Je pense aussi que vous allez y voir clair par rapport à une certaine situation. C'est-à-dire, voilà, je comprends. Là, il y a du règle. Ouais, il y a du. Je vais pas dire règlement karmique, mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est en train de se discipliner, c'est-à-dire rigueur et morale, mais aussi l'écoute du cœur et la spontanéité. Donc, il y a un juste milieu entre les deux. En observant plus, je suis sûre de moi. Donc, il y a des choses qui sont en train de se réparer parce que justement, vous êtes plus à l'écoute. Voilà, et cavalier de denier. Donc, il y a de la patience, il y a des choses qui sont un petit peu ralenties, qui arrivent, hein, elles sont là. On a l'arcane sans nom, on a le fou, on a le valet de bâton, on a l'impératrice. Oui, vous êtes en train d'expérimenter en fait la nouvelle version de vous, on va dire la version 2.3 dans le logiciel 2023, mais avec. On va dire une version un peu test. Voilà, là d'abord, je m'occupe des opportunités, de ce qui arrive, d'étudier, d'observer ce que ça me fait, ce que je ressens, et de passer à l'action et de voir. Donc, c'est comme si. Alors, c'est pas que vous commencez petit, parce qu'au niveau professionnel, je sens que c'est plus gros. Au niveau sentimental, c'est un peu. Alors, je vais pas dire en stand-by, tout le monde n'est pas dans la même situation. Mais il y a plutôt l'idée de guérir de quelque chose, de comprendre qu'en fait, on se crée parfois ces chagrins d'amour parce qu'on s'attendait à une certaine dynamique, à un certain déroulé. Et finalement, on se dit, hein, mais attends, mais où, quoi?
Vous voyez, c'est comme si on arrivait à la page 10 en se disant, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Je regarde la quatrième de couverture en me disant, ah ben non, mais c'est bien le résumé que j'ai cru. Enfin, quand j'ai acheté ce livre, j'ai bien lu le bon résumé, mais l'histoire se déroule pas comme ça. Donc, enfin, voilà. Vous voyez, c'est un peu l'exemple que je pouvais vous donner par rapport à mes ressentis. Intuition, bah tiens donc, on en a parlé. Alors, rapidité, accord, amitié, fin. Ok. On va demander à Joe. Tiens, pourquoi on a... je vais demander à Joe et je vais demander à Etella aussi. Hop. Alors, Joe, dis-nous tout sur l'intuition. Alors, c'est ton moment, fonce. C'est pas le moment, mais toi plutôt, tricot, ce sera plus utile. Alors ça, ça doit être votre mental qui vous parle comme ça. C'est-à-dire feu vert, feu orange, c'est ton moment, c'est pas le moment, c'est ton moment, c'est pas le moment, ça c'est très... Alors, en fait, c'est toujours le moment, sauf que selon vos ressentis, si vous êtes dans la confusion, la peur, en fait, vous allez vous dire, bah, j'aurais mieux fait de pas y aller. Alors que si vous dites, ok... Moi, j'y vais, on verra ce que ça donne. Je suis dans l'ouverture, je suis dans la fluidité, je suis dans le... je vais pas dire je m'en foutisme, hein, mais c'est pratiquer le détachement. C'est aussi l'art de se foutre du résultat, mais plutôt de kiffer l'instant présent. Voilà, c'est l'art de s'en foutre. Vous irez voir le livre qui existe vraiment et qui est fort d'enseignement. Alors là, vous ressortez à la coupe avec la société, prospérité, plutôt... ouais, j'ai envie de... C'est l'ambition, en fait. J'ai tellement peur de me craquer que... Voilà, on a l'hésitation pur jus. Alors, deux fois la justice. Oui, il y a un équilibre, une décision. Et c'est aussi la balance. Hein. C'est ton moment, ça c'est le cœur. C'est pas le moment, ça c'est le cerveau. Voilà comment je pourrais l'interpréter. Donc, ouais, il va falloir travailler ça, justement. Alors, on a embarras, domestique, on a jugement, ah, de l'air frais. J'ai coupé le ventilo, donc forcément, oh, ben là, ça concerne quelqu'un en face de vous. Satisfaction, homme de campagne, projet, nouvelle connaissance. Alors, je dirais qu'il y a une situation. Voilà, une situation. C'est pas un problème, c'est une situation. C'est un peu embarrassant. Voilà, et puis, on sait qu'on doit le régler. Alors, domestique, ça fait penser à la maison, donc quelqu'un qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette personne? Campagne. Ah, de reposer un peu le truc, de laisser se reposer. Ah oui, la justice, encore une fois. Alors, justice, balance, je voudrais pas dire, mais il y a quelque chose. Je pense plus que ça, une question d'équilibre, de bon jugement entre le cœur, les faits, de rendre un verdict aussi. Vous voyez, de décider, de s'arrêter. Oui, c'est comme si on vous disait, ah bah oui, en fait, on vous dit, arrêtez-vous, c'est soit l'un, soit l'autre. Et les deux sont corrects. Si vous dites, c'est pas le bon moment, c'est votre intuition qui parle. Si vous dites, c'est ton moment, bah, c'est ton moment. Enfin, c'est l'intuition qui parle aussi. Je m'arrête là parce que du coup, je pense que là, moi, ça résonne. Je me dis, ok, on va pas non plus trop tirer de cartes, après on s'embrouille. Je prends juste, alors lui, hop, Jack... Beau parleur, bavardage, personne charmante, charmeuse. Voilà, entre est-ce que cette personne est viable ou pas, je vais laisser reposer le truc. Voilà, on vous parle de recevoir une bonne nouvelle. On vous parle aussi de se retrouver entre proches, d'amour partagé. Donc, c'est soit vous lancez... Alors, si c'est sentimental, j'ai fait une vidéo. Est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Voilà, dois-je faire le premier pas de mémoire et aller dans la playlist tirage à choix. Alors, un petit message de Marlo et on s'arrête là. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'apaisement, la campagne, l'apaisement, le silence, le ressourcement, la nature. Voilà, il y a des choses qui ont été plutôt passion toxique, espoir. En fait, là, c'est comme si vous accordiez du repos en vous disant, ok, moi maintenant, là, j'observe
Et si ça me convient, très bien, on verra, je continue à observer. Et si ça ne me convient pas, ben, j'ai le droit de dire stop. Alors on a la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Voilà les amis, cette guidance du mois de mars est terminée. Après, on va se retrouver, hein, bien sûr, Facebook, YouTube, Instagram. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors des vidéos, quand je fais des posts sur Instagram. J'ai posté aussi un petit truc sur Facebook aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une agréable semaine et puis tout simplement que ça roule, un bon mois de mars. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux sujets. Vous verrez tous plus intéressants, je l'espère, les uns que les autres. Ciao, ciao. Ciao.